Bonjour à tous, ça y est, il est temps de vous parler des masques LED de Nuance et de Kieran Body, vous dire lequel je préfère et également vous donner un petit peu leurs différences, sachant que je ne suis absolument pas scientifique en la matière. Toutefois, j'ai quand même fait pas mal de recherches et j'ai pu trouver quelques caractéristiques techniques qui vont me servir à justement illustrer cette vidéo, et j'espère qu'elle vous fera plaisir et que vous irez virer un petit peu plus clair après, sachant que si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez trouver des vidéos dans ce sens de la part de mon copain Cyril Laurent. Coucou si tu passes par là. Et également sur les comptes des deux marques identifiées justement. Alors, donc moi j'ai reçu donc ces masques LED gratuitement de la part des marques. J'ai beaucoup de chance, merci encore. Le Kieran Body, je l'ai reçu il y a 2 ans. Donc j'ai reçu le masque visage de Kieran Body. Donc celui-ci, c'est à chaque fois des collaborations qui ne sont absolument pas rémunérées. Hein. C'est des produits gratuits. Donc le Kieran Body qui est là. Et avec, j'avais aussi reçu le cou et le décolleté, masque LED aussi, de Kieran Body. Et le mois dernier, j'ai reçu du coup le masque LED de la marque française Nuance. Voilà. Alors, avant de vous dire exactement qu'est-ce qu'un masque LED, comment ça fonctionne, si ça vaut le coup ou pas de casser sa tirelire pour s'en acheter un, je vais vous parler un petit peu du coup des caractéristiques techniques et également juste 2 mots sur ces deux marques. Nuance, c'est une marque qui est assez récente. En fait, elle est 100% française et sa fondatrice, c'est donc Carole Amar. Carole Amar, elle a, on va dire, comme ambition, le bien vieillir. Ça, déjà, moi, ça me parle, je trouve ça vachement bien. Vieillir, oui, mais bien, c'est encore mieux. Voilà, tout simplement. Si on peut essayer de ne pas trop être décrépit, c'est chouette. Alors, sachant que moi, j'ai 43 ans. Et bon voilà, moi j'ai rien fait, j'ai pas fait d'injection, j'ai rien fait, je pense que ça se voit. Mais quoi qu'il en soit, on va dire mes problématiques, c'est. Alors, problématiques, entre guillemets, on va pas se rouler par terre, je n'en fais pas tout un foin, je m'en tamponne complètement. Mais on va dire mes problématiques, si je dois en donner quelques-unes, ça va être mes taches, vous les voyez. Alors là, je n'ai pas eu tout de fond de teint. Donc ce sont mes taches brunes, ici, un petit peu sur les pommettes, que je me trimballe depuis une bonne dizaine d'années. Donc en fait, ce sont vraiment des taches incrustées. Après, j'en ai quelques-unes qui apparaissent, notamment avec le temps, avec le soleil, la pollution et compagnie, les UV. Bon, ça arrive, bien que je me protège tous les jours, toute l'année, indice 50 plus, été comme hiver, dès qu'il fait jour, ça je fais que vous le dire, je fais très attention à ça. Dans mes routines, il y a des actifs, il y a du rétinol, du niacinamide, de la vitamine C. Voilà, enfin, il y a tout ce qu'il faut normalement pour essayer d'être au top niveau skincare. Et moi j'adore en plus tout ce qui est beauty device, donc les beauty tools et compagnie, donc les outils, on va dire, de beauté. Je trouve ça trop chouette. Alors, donc Kieran Body, comme je dis, c'est français, et Nuance, c'est français, et Kieran Body, c'est américain. Kieran Body, ils sont de mémoire nés en 2012 et ils ont lancé la brosse nettoyante Clarisonic, qui a fait fureur à l'époque. Et ensuite, ils se sont vraiment spécialisés dans tout ce qui était LED. C'est les leaders du marché en masque LED de façon internationale. Et ils ont fait plein d'autres outils avec des LED et avec d'autres produits, avec tout ce qui était... il me semble qu'il y a un masque, il y a des choses aussi pour les mains, pour la bouche. Enfin voilà, tout ce qui est autour du LED. Alors, je ne sais plus s'il y a du laser ou pas, je ne vais pas m'engager là-dessus, j'en sais rien. Mais j'ai vu qu'ils proposaient pas mal de choses. Ils proposent aussi, comme Nuance, un casque pour les cheveux, pour stimuler la pousse et la densité et compagnie. Et ça, c'est vachement bien. Alors, donc en fait, concernant ces deux masques, donc il y en a le masque Kieran Body, il coûte 329 euros. Si vous prenez également le kit avec le décolleté, ça coûte 530 euros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc oui, c'est pas donné, mais c'est un masque que vous allez garder longtemps. Et si vous regardez un petit peu les prix en institut de tout ce qui est les LED, ça coûte une blinde. Donc là, c'est vrai que c'est très vite amorti si vous aviez choisi d'aller en institut. Par contre, si vous n'avez absolument pas choisi en effet de faire du LED, en effet, ça vous fait une sortie d'argent. Le masque du coup de Nuance, lui, il est à 490 euros. Donc, le Kieran Body 329, le Nuance 490. On n'oublie pas que Nuance, c'est français et que derrière, il y a entendu toutes les taxes et compagnie. C'est une jeune marque aussi. Donc, je trouve que finalement, le prix est assez compétitif, même si en effet, il y a quand même 160 euros d'écart et qu'on a un masque à presque 500 balles. C'est pas donné, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça coûte cher,
mais ça peut faire du bien à la peau et c'est quelque chose qu'on va garder très longtemps, comme je vous le disais. Voilà. Ensuite, concernant les LED. Donc en fait, sur ces masques-là, vous avez donc, on va juste faire aussi le jeu des 7 erreurs. Je ne vais pas dire que c'est des erreurs. On va juste voir ensemble avant de venir un peu plus dans le détail. Alors, ça c'est le masque Nuance. Hop là, voilà à quoi il ressemble. Il est donc comme ceci. Et là, on a le masque Curen Body. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi Eve, tu as un masque Nuance alors que tu avais déjà un Curen Body? Ben, je vais te répondre. Tout simplement, puisque le Curen Body, ça fait un moment que je ne peux plus l'utiliser. Pourquoi? Puisque tout simplement, ben, moi j'ai un grand nez. Merci papa. Et en fait, ce masque-là m'appuie très très fort au niveau du nez ici. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que ça m'appuie là. Ça m'a même fait éclater des petits vaisseaux. Si bien qu'à un moment j'utilisais un coton que je mettais là, ici, derrière. Après je mettais le masque, mais c'était hyper pénible à mettre. En fait, ça m'appuyait tellement fort qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'en ai marre, je souffre, j'ai mal. Pendant 10 minutes, je n'en pouvais plus, c'était horrible. Donc j'ai dit non, ben stop, j'arrête de l'utiliser. Voilà. Donc j'avais mis de côté, je me suis dit, mais c'est dommage, parce que moi, la lumière LED, j'y crois. Et quand j'ai vu donc mon copain Cyril, qui a parlé notamment de la marque Nuance, marque avec laquelle il a développé le casque capillaire dont je vous parlais, du coup, je me suis dit, ouais, ça a l'air trop bien. Et plusieurs fois, en fait, ils ont posté donc des posts sur leur compte Instagram, Nuance, et j'ai vu qu'en effet, la matière avait l'air beaucoup plus souple que celui-ci, et surtout au niveau du nez. Donc c'est pour ça que moi, je voulais tester un autre masque qui ne me ferait pas mal au nez, qui me réconcilierait avec les masques LED. Eh bien, c'est chose faite. Voilà, je vous ai spoilé. Donc, le Curen Body, donc il est comme ça. Déjà, hop là, voilà ce que ça donne. Donc derrière, on a des LED. En termes de LED, en termes de nombre, on a 132 LED sur le masque de Curen Body. Alors tout de suite, ce qu'on va voir, le petit point noir, c'est qu'en fait là au niveau du front, ben, vous voyez, il n'y en a pas. Là aussi en dessous, ben, il n'y en a pas. Là sur les côtés, il n'y en a pas non plus. C'est un petit peu dommage. Et sur le nez, ben, on n'a que deux au niveau de là. Voilà. Déjà, bon. Par contre, sur le Nuance, eh ben, là c'est pas la même. Puisque on en a beaucoup plus au niveau du front et beaucoup plus aussi. Regardez, on a une toute petite bouche, mais on a du coup plus au niveau du menton et on en a plutôt deux voire trois au niveau du nez. Voilà, donc déjà ça, c'est beaucoup plus sympa. Et regardez aussi sur les côtés, on a une plus grande couverture en fait de la lumière, donc des LED tout simplement. Et là en fait, donc là il y en avait 132 et là on en a 198. Donc on en a beaucoup plus, on en a 66 de plus, et ça c'est pas du tout négligeable. Regardez, pensez au prix que je vous ai dit tout à l'heure, là il y en a plus du coup, donc peut-être que c'est encore plus performant. Alors, ces ampoules LED, je vous avoue que je n'y connaissais absolument rien, et quand je me suis penchée sur leurs caractéristiques, je me suis rendu compte qu'en fait c'était les mêmes pour Curen Body et pour Nuance, enfin les mêmes en termes d'unité de mesure en fait, c'est la même longueur d'onde. Donc en fait, on nous dit pour le Curen Body, donc il y a 130 de LED qui délivre 30, alors MW par centimètre carré, ça doit être l'unité de mesure de la longueur d'onde, je pense. Excusez-moi, je ne suis pas scientifique. Pour un traitement puissant, voilà, de 10 minutes. On va avoir du coup, pour le masque Curen Body, il y a 198 ampoules LED, comme je vous le disais. Il y en a 99 infrarouges à 830, alors je pense que c'est nanomètres en profondeur, pour stimuler l'oxygénation des cellules, NM, est-ce que c'est nanomètre? Peut-être pas, je pense, à mon avis. Donc 99 infrarouges à 830 nanomètres en profondeur pour stimuler l'oxygénation des cellules et 99 à 633 nanomètres pour stimuler la production de collagène, calmer les rougeurs et unifier le teint. Pour le Curen Body, on a exactement un petit peu les mêmes LED infrarouges et rouges. On va avoir du coup de la lumière rouge. Pareil, alors là, ils ne nous disent pas combien il y en a, ils ne font pas le distinguo. Ils nous disent qu'il y a 132 LED et il y a un mix entre les rouges, 603 nm, donc nanomètres peut-être, et proche infrarouge, 830 nm. Donc c'est la même longueur d'onde, c'est pareil en fait. Donc c'est pour ça que je vous disais, alors est-ce que la qualité est la même? Je n'en sais rien, est-ce que c'est comme pour les ampoules chez nous? C'est peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, en termes de puissance de longueur d'onde, c'est la même chose a priori. J'espère ne pas me tromper, mais d'après ce que je comprends, la longueur d'onde est la même.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme différence? Oui, la couleur du masque, c'est pas la même. Donc en fait, le Cure & Body est blanc et le Nuance est plutôt couleur beige, beige un peu jaune. Alors, je vous avoue que moi, je préfère la couleur blanche, je trouve plus sympa, mais c'est pas bien grave, hein. Donc là, on a une couleur jaune. Alors, tous les deux sont faits en silicone. Celui de Cure & Body, c'est en silicone flexible, breveté à la lumière, qui permet à la lumière, pardon, de pénétrer dans toutes les zones du visage. Et le Nuance, c'est un silicone de grade médical. Ça, je l'ai bien noté, c'est Cyril qui me l'a soufflé en message privé. Il est souple et permet une meilleure dissipation de la chaleur pour les LED. Ça, c'est ce qu'il m'a dit texto, j'ai repris sa phrase. Voilà, donc a priori, là aussi, le Nuance, le silicone est meilleur et permet une meilleure dissipation donc des LED qui sont donc dans un incrusté à l'intérieur. Et comme le Nuance, comme le Cure & Body, il est assez souple. Et je le trouve, oui, ils sont souples pareil. Ils sont souples pareil. Par contre, au niveau du nez, ben, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus souple. Et ça ne m'appuie plus sur le nez. Et ça, c'est trop bien. Merci, Nuance. Je suis trop contente de pouvoir, du coup, réutiliser un masquelette. C'est trop, trop fait. Voilà pour les caractéristiques techniques. Donc, les plus, on va dire que pour le Nuance, il est plus grand, comme je vous l'ai montré. Donc, il y a plus de LED au niveau du front. Donc, si vous avez un front un peu grand, pas de problème. Si vous avez un front comme moi, assez, on va dire, lambda, moyen, pas de problème non plus, sachant que ce qui est cool avec la lumière LED, c'est que ça va aussi vous booster la pousse des cheveux, on en profite, et du coup, ça peut également nous, enfin, ça va nous faire pousser les baby hairs, notamment les petits cheveux, là, on peut avoir des petites repousses là, et ça, c'est vachement cool aussi, hein, on va pas cracher dans la soupe. Également, donc du coup, je vous l'ai montré, il est plus large sur les côtés, il est beaucoup plus couvrant au niveau du bas du visage. Et ben pareil, il va réparer les cellules endommagées, meilleur fonctionnement des cellules, et également ça a un effet anti-âge, ça va réduire notamment les rides et ridules, améliorer le teint, l'éclat, la texture, la fermeté. Et ça peut également réduire les effets contre l'acné et les cicatrices, ça va réduire les inflammations. Alors j'ai également pris un petit schéma un peu plus scientifique sur le site de Nuance, donc ma source c'est Nuance. Et en fait, il nous explique donc comment ça fonctionne du coup le masque LED. Et je trouve du coup ce schéma très intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, dans le masque LED, il y a deux lumières. Il y a la rouge et il y a l'infrarouge. Alors, sur la lumière rouge, on voit qu'elle est donc à 633 nanomètres, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc elle va rentrer, ça c'est une coupe en fait de notre peau. Donc elle va rentrer dans la peau et elle va, donc pénétration au sein du derme, c'est la deuxième couche de la peau. Et on va avoir une réaction donc photochimique au sein des mitochondries qui transmet l'énergie de la lumière en énergie pour les cellules. Donc paf. De l'autre côté, on a la lumière infrarouge. Donc là, elle va plus profond, vous le voyez, elle va un petit peu plus profond. Donc celle-ci est toujours, pardon, non, elle va pas plus profond. Elle va toujours au sein donc, du derme, donc toujours dans la deuxième couche de la peau. Donc là, on le voit ici. Tac, donc elle rentre dedans comme pour elle. Et elle, en fait, elle va faire une réaction photophysique au sein des membranes cellulaires. Donc ça n'a pas la même action. Et du coup, les deux combinés, donc infrarouge et lumière rouge, ça va faire que les cellules photoactivées, elles fonctionnent mieux. Et donc, ça va réparer les cellules endommagées, prolifération des cellules, augmentation de la production des protéines de la peau. Et ça va notamment nous relancer la production de collagène. Et ça, c'est super. Voilà. Donc, voilà pour les caractéristiques techniques que je peux vous apporter. Ensuite, je voulais également donc, vous dire le pour... mes plus et mes moins sur le Nuance. Alors le plus, bon bah déjà, comme je vous dis, il est plus grand, il est vachement plus souple, il me fait beaucoup moins mal au nez, donc ça c'est génial, il y a plus de LED, c'est français, voilà. Ce que j'aime aussi, dont je ne vais pas parler, c'est la tache est important. La tache est super important, donc là en fait on a un masque qui va s'attacher avec sur trois points. Alors on n'est pas obligé d'utiliser celui-ci. Bon, moi, j'utilise un lié, je le mets. Donc, en fait, on le met comme ça derrière. Et après, donc sur ce scratch-là, on va venir scratcher celui-ci, puis celui-ci. Donc, hop, ça risque pas de bouger. Donc là, on est vraiment bien maintenu. J'ai lu également quelques avis sur le Nuance. Alors, beaucoup d'utilisateurs, peut-être certains d'entre vous, comparaient aussi donc, le Nuance avec le Cure & Body et disaient qu'en fait, notamment les personnes qui ont des cheveux très épais ou très frisés, donc une masse capillaire, ben en fait, ça tenait beaucoup mieux avec ce système d'accroche que ben, celui de Cure & Body qui finalement, lui, il a que du coup juste une petite attache comme ça.
qui s'attache, donc avec juste un petit scratch. Alors le scratch, je vous avoue aussi que celui-là, c'était pas cool, parce que moi, plein de fois, ça m'arrachait les cheveux. Donc voyez, si vous avez beaucoup de cheveux ou une grosse masse, ben ça apparemment, ça tient moins bien. Et les gens disaient qu'avant, avec ce masque-là, ben, ils étaient obligés de le tenir ben, pour justement qu'il ne s'en aille pas. Donc là déjà, ça c'est super. Autre point aussi qu'on peut soulever, c'est qu'avec le Nuance, on a les petites protections pour les yeux qu'on n'a pas, vous voyez, elles sont là, qu'on n'a pas du coup, c'est ça en fait, elles s'enlèvent. Donc tac, c'est ça les petites protections, vous voyez, hop. Donc on les remet comme ça, c'est hyper facile à mettre, hein, pouf. Et qu'on n'a pas avec le Cure & Body. Bon, alors après Cure & Body, comme je vous dis, c'est un peu des pionniers en matière de masque LED. Bon, je sais pas vraiment s'il y avait des risques avec ce masque-là. J'en sais rien, mais bon, je me dis que peut-être que s'il y aurait dû avoir des trucs pour les yeux, ça aurait été plus cool. En tout cas, ça c'est génial parce que ça apporte un confort. Alors est-ce que c'est là pour être confort ou est-ce que c'est là pour nous protéger des yeux? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce petit plus me convient tout à fait. Ensuite, on va parler télécommande. Donc là, sur le masque Cure & Body, tout de suite, on a le fil qui part et qui est accroché, du coup, qui part avec un câble, avec un port USB, pardon. Sur le Nuance, on n'a ben, rien. Par contre, on a donc le fil qui est à part. Donc, on a le fil à part qui est ici, qui se branche aussi sur le LED, mais qui se branche aussi sur une prise. Donc vous, si vous n'avez pas de manette ou que ce n'est pas branché, que vous avez votre batterie qui est déchargée, ça c'est la batterie, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même faire votre soin puisque vous allez pouvoir le brancher sur le secteur. Là on a la petite prise qui va avec. Voilà. Et en fait le masque après se branche ben, comme ceci, donc soit à droite soit à gauche. Je trouve ça très intéressant d'avoir fait deux ports, deux sorties. Puisque en fonction de, ben, je sais pas moi, si vous êtes gaucher, droitier, ben, ou parfois, enfin, c'est bête, mais si vous avez une poche de ce côté droit, ben, moi je vais plutôt le mettre du côté droit, ou alors côté gauche, enfin, je trouve ça bien qu'ils aient fait deux côtés, alors que c'est vrai que le Cure & Body, ben, c'était que du côté droit. Alors est-ce que c'est grammatique? Absolument pas, on s'en tamponne, mais bon, ça a comme le mérite d'exister, moi ça me va bien. Concernant la télécommande, alors il y avait plusieurs personnes sur les commentaires donc, du Nuance qui disaient que la télécommande, ouais, bof, la télécommande, gna gna gna, elle se décharge hyper vite, bon bref. Moi je l'ai chargée la première fois quand je l'ai eue, donc c'était, là on est quand? Là on est mercredi. Je l'ai chargée lundi, il y a déjà deux semaines et demie. Donc deux semaines et demie, ça m'a fait donc 14... 15, 16, 16 jours, 16 jours, 10 minutes, ça a tenu. Certaines personnes disaient que la batterie ne tenait pas. Ben moi, je vous le dis, elle tient pendant 16 jours sans problème, 10 minutes, il n'y a pas besoin de la recharger. Là, hier soir, quand j'ai terminé mon soin, elle commençait à clignoter. Hop, ben, il suffit de la brancher au secteur. Ça, je branche tout simplement. Là, pour vous brancher ici, et clac, au secteur, et ça se charge assez rapidement. Je crois qu'en 4 heures, c'était chargé. Celle de Cure & Body, j'aime bien, parce qu'elle est beaucoup plus légère. Elle est plus petite. Elle s'allume ben, comme ça, hein, pouf, voilà directement. Ben, là d'ailleurs, j'ai plus qu'un petit 1 sur 3 de batterie. Hop, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus léger, c'est plus nomade. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus lourd. Je trouve pas le design fou. Alors peut-être que nous on se développera une batterie un peu plus sympa et plus petite. Ça, ce serait peut-être intéressant parce que ça, pour moi, c'est un peu un point noir par rapport à Cure & Body. Après, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a le chronomètre. C'est-à-dire que quand je l'allume, là, vous voyez, hop, ça me décompte les 10 minutes. Et puis, ben, après, hop, je le lance et j'ai le décompte qui se fait. Donc, à tout moment, je peux voir, en effet, où j'en suis de mon traitement. Donc, hop, je regarde, ah ben tiens, il me reste 6 minutes, machin, alors que là, je ne sais rien, en fait. Là, ça s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est cool qu'il y ait le chrono, mais c'est un peu trop lourd. Je trouve pas ça, je trouve ça fait un peu cheap, le packaging, c'était pas ouf quoi. Voilà, ça peut-être retravailler là-dessus, mais bon, je pense que c'est en effet, ça a un coût aussi de faire un truc plus petit, enfin j'en sais rien, mais je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ben, je crois que c'est tout concernant l'utilisation. Hyper simple, du coup, on le pose, claque, on le branche. Ce que j'aime du coup dans ce type de masque, que ce soit le Cure & Body ou le Nuance, c'est que ben, forcément on a les mains libres. Comme je vous dis, si vous avez une poche, vous mettez la batterie dans la poche. Ou vous l'accrochez. Moi, parfois, je suis en short à la maison. Je mets dans l'élastique du short. Ça tient très bien. On a les mains libres. On peut faire plein de choses pendant ce temps. On n'est pas bloqué. Alors, je ne vous cache pas que la visibilité, par contre, elle est un peu très, très, très limitée. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas boire pendant que vous faites le masque. Ça, c'est clair. Quoique, une fois, j'ai bu avec la paille, avec le Nuance.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, on peut très bien faire autre chose en même temps. Il n'y a pas d'action à faire comme un appareil type Forêt-Aubert où il faut le passer et compagnie. Il n'y a pas de produit à mettre non plus. Ça, c'est génial. Mais ça aussi, c'est un gain aussi d'argent puisque vous le mettez en fait sur une peau propre. Ça, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Quand vous sortez de la douche ou quand vous êtes bien double nettoyé le visage, vous êtes bien séché la peau. Vous appliquez votre masque, vous le mettez en route, donc sur peau sèche, on ne met rien du tout, pas de sérum, rien, vous ne mettez rien. Et après, au bout de 10 minutes, ben, vous l'enlevez et là, vous passez à votre skincare. Tout simplement, c'est 10 minutes par jour. Alors, la marque préconise de le faire tous les jours pendant un mois et après, à partir du deuxième mois, de le faire 3 à 4 fois par semaine, 10 minutes. Moi, je vais continuer. Là, c'est parti, c'est 10 minutes tous les jours. Il y en a même certaines aussi qui font matin et soir. Voilà. Faites attention aussi, faut bien faire un test de sensibilité de la peau. La marque recommande donc premier d'appliquer le masque sur une partie, par exemple sur le bras, pour voir comment votre réaction par rapport au LED, puisqu'il y a quand même des cas infimes où des personnes réagissent mal au LED, donc vous n'êtes pas là pour faire du mal ou quoi que ce soit. Donc faites le test avant, c'est super important. Est-ce que, vous m'avez posé la question, est-ce que ça chauffe pas du tout? Enfin, il n'y a aucune sensation de chaleur. En fait, vous le posez, c'est tout. Alors, il y en a certains qui vont dire, ah, ça me met mal à l'aise ton masque et tout. On dirait, comment il s'appelle, le gars dans Halloween, là, Jason, voilà. Jason, là, le tueur à la tronçonneuse. Voilà. Oui, peut-être, mais bon, en même temps, ça dure que 10 minutes. Et si ça me fait du bien et si après j'ai une peau plus éclatante, plus rebondie, que j'arrive un petit peu à dissiper mes taches, moi, ça me va très, très bien. Voilà. Bon, après, c'est sûr que peut-être que j'irai pas ouvrir au facteur comme ça, mais le soir, le facteur ne passe pas. Voilà tout. En termes d'accessoires, donc on a pour chacun, pour le Cure & Body et pour le nuance, on va avoir du coup les petits pochons qui vont bien. Donc celui du nuance est tout mignon, il est un peu en aspect soyeux, donc c'est très joli. Le Cure & Body, il est chouette aussi, il est dans son petit pochon un peu plus coton. Donc ça, on est censé les prendre quand on part en vacances. Perso, je n'emporterai pas mes masques avec moi en vacances. J'aurais trop peur de les abîmer, qu'on me les vole, de perdre ma valise. Enfin, voilà, c'est non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Oui, donc on a, pour les deux, on a les prises. Donc la prise, c'est les mêmes, en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est exactement les mêmes. Donc ça, c'est celle du Cure & Body, ça, c'est celle du Nuance. J'ai une petite préférence pour les prises blanches, voilà. Mais bon, c'est encore, on s'en fout. On a aussi avec, pour les deux... Les petits adaptateurs en plus, si en effet vous partez avec vos masques dans un autre pays, c'est pratique. Donc ça, c'était pour le nuance. Pour le Cure & Body, on a pareil, on a plusieurs, ben les mêmes en fait, hein, aussi, les plusieurs ports. Et pour le plastron, en fait, pour le cou et le décolleté, j'ai une autre télécommande, c'est celle-ci. Donc là, pareil, on est chargé normalement, celle-là. Oui, c'est une autre télécommande pour le Cure & Body. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ben, si je veux, je peux très bien mettre la prise du Cure & Body, enfin ma batterie du Cure & Body sur le Nuance. Il fera pas la gueule et il marchera très bien. Voilà, donc si jamais, si j'ai envie, je peux utiliser donc une autre batterie. Voilà tout. Ensuite, autre point fort, par contre, pour Cure & Body, c'est qu'ils ont ce petit masque LED là. J'espère que Nuance pourra en développer un bientôt, ça serait super. Et un mieux, puisque celui-là est assez court. Je trouve notamment qu'il est court au niveau du cou, puisqu'en fait, on le met comme ça. Vous voyez, moi, c'est... alors, je ne pense pas avoir un grand cou, mais moi, je trouve qu'il manque un peu. Et surtout, moi, j'ai des taches pigmentaires d'un côté, vasculaires de l'autre, vous les voyez bien. Et j'aurais aimé, en effet, bien traiter de façon optimale ces taches avec ce produit-là. Donc, je ne sais pas, en effet, si la lumière... elle ne va pas aller jusqu'en haut, donc non, c'est mort. Et le décolleté, c'est un peu court, je trouve aussi. C'est pas très large. Ça aurait été bien d'être un petit peu plus large. Alors, bon, peut-être que j'en demande beaucoup, mais je pense que ça vaut le coup. Peut-être que c'est envisageable de faire un peu plus large, de mettre plus de LED. Puisque là aussi, on n'a pas... je pense qu'on peut faire mieux en termes de nombre de LED. Voilà, bon, ça c'est pas mon avis. J'en sais pas plus, mais je pense que c'est ça. Voilà tout, je crois que j'ai fait le tour, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à contacter Nuance. Voilà, sachant que donc, dans cette vidéo, je ne dénigre ni Nuance, ni Cure & Body. Hein. Moi, je suis toujours bons amis avec les deux. Et puis, je pars du principe qu'on est marié à aucune marque. Hein. Mais en effet, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, celle qui me satisfait le mieux en termes de masque LED, c'est le Nuance, puisqu'il ne m'écrabouille pas le nez.
Et je trouve que de par ses propriétés, ses caractéristiques, sa technologie développée, en plus moi ça me plaît qu'il soit français, je trouve qu'en effet, il a l'air plus performant que le Curran Body, de par notamment par son nombre de LED. Voilà, tout simplement. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz si vous êtes plutôt Curran Body ou plutôt Nuance. Et si vous êtes prête à sauter le pas pour acheter un des deux masques. Je n'ai pas de code promo, désolée. Comme je vous l'ai dit, c'est des produits offerts, ce n'est pas du tout une collaboration rémunérée. Peut-être que la marque par la suite me donnera un code promo. Dans ces cas-là, checkez la barre d'infos. Par contre, je sais que mon copain Cyril, donc Cyril Laurent, a régulièrement des codes promo avec Nuance, puisqu'il travaille avec eux. Et notamment, comme je vous l'ai dit, il a collaboré sur la création du masque pour les cheveux. Donc lui, souvent, a des codes promo. Je crois qu'il y en avait un encore cette semaine. Bon bref, checkez son compte. De toute façon, il faut s'abonner au compte de Cyril. Voilà tout. Allez, à bientôt et protégez-vous bien la peau, c'est hyper important. Salut.